Ik ben zanger in de kerk van de Zuil van de Waarheid, hier in Antwerpen. We zijn vandaag hier allemaal bijeen gekomen. Het is om ons Heer te danken voor het verleden van het jaar 2014, voor alles dat Hij voor ons gedaan heeft. En dat we allemaal in goede gezondheid en in veiligheid allemaal in 2015 zijn binnengekomen. En wij danken onze God voor alles wat Hij gedaan heeft en wat Hij gaat in de toekomst nog doen in ons leven, in onze kerk, binnen het gemeenschap van de christelijke kerk. Bent u zelf van Antwerpen of kom je van ergens? Ja, ik ben zelf van Antwerpen. Na uti na lost na epa ya petite sœur na ngai mama José. Yango to sangani wa pona ko sepela ane ya sika oyo nzamba bateli biso ndenge abateli biso ane mobimba. Kina komisi biso na ane mosusu yango to ko kumisa nzambe ko pesa ye merci po to zane lo ko pesa ye te. Merci et pas nanzambi. Yeah.
Yahweh, Mama.
Oh,
Kambina biso Yesue, o kambina biso yakae. O kambina biso yaka, o kambina biso yaka, o kambina biso yaka, o kambina biso yaka. Yeah.
Thank you.
Amen, amen. Le choriste peut rester parce que nous allons bientôt passer dans l'autre année. Il y a quelqu'un qui s'exprime bien en anglais ici pour interpréter notre voisin. Et il est là derrière. Le frère, il parle anglais. Ou peut-être interpréter en néerlandais. Ma culture est néerlandaise, vertale. On parle en anglais. Une vente de tuer. S'il y a quelqu'un qui peut interpréter en néerlandais. Michel, il est en. Michel va interpréter le Michel en néerlandais devant le frère Pablo. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour que tu as créé, un jour spécial, qui nous permet de dire que tu es grand, tu es merveilleux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel et Dieu. Bien-aimés, nous disons toujours que le message que Dieu nous donne, c'est pour 2015. Amen, amen, amen. Mais il est important que nous puissions revenir sur toute l'année que Dieu nous a donnée. Une année se termine, une autre année commence. Et nous avons dit en ce lieu que chacun puisse avoir un cahier de 365 pages. Je ne sais pas si vous pouvez retourner, regarder ce que vous avez écrit et vous allez constater beaucoup de choses. Parce que nous avons passé une année de la révélation du Seigneur et Dieu s'est révélé de plusieurs et de différentes manières. Mais bien aimé, cette année, Dieu nous donne un autre message. Je disais à nos amis, à nos frères, aux collaborateurs avec qui nous travaillons, j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas le verset que vous me donnez et le thème que vous me donnez ne concorde pas. C'est ce que moi j'ai dit à Dieu. J'ai dit, je préfère donner un autre thème. Mais le Seigneur m'a convaincu au travers de son esprit avec un autre thème. Et pendant tout ce temps, on était ici dans la prière. Et les derniers jours, on était ici dans la prière avec nos bien-aimés. C'est là que nous avons compris que oui, c'est moi qui ne comprenais pas ce que Dieu voulait. Moi, je voulais dire ce que moi, j'ai pensé. Moi, j'ai pensé que le thème et le verset ne collent pas. Mais Dieu m'a dit, c'est ce qu'il a dit et c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu peux être une bonne terre, comme nous avons dit, Dieu va faire de grandes choses pour toi l'année que nous commençons. Bien-aimés, la terre tourne, mais il y a un moment, la terre arrive à croiser le soleil. Si la terre croise le soleil, c'est à ce moment-là que tous les systèmes changent. C'est à ce moment-là que nous avons la pluie, nous avons l'hiver, nous avons beaucoup de choses. C'est quand la terre, en tournant, croise le soleil sur son chemin. Amen, amen. Amen. Les jours passent, mais pendant ces 365 jours, si tu croises le soleil, Dieu sera avec toi. Lèvons-nous, nous allons bénir l'Éternel, notre Dieu, dans ces temps que nous sommes. Alléluia. Nous allons acclamer très fort l'Éternel à Dieu. Lève-toi, acclame Dieu. Lève-toi, acclame l'Éternel à Dieu. Lui qui t'a donné la force. Bien-aimé, lève-toi, acclame Dieu. Levez-vous, continuez à
acclamer. Le Dieu qui est Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamez Dieu, merci Seigneur. Lui qui est Dieu, lui l'éternel, dans les noms de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Glorifie soit ton nom. Il est Dieu, il est Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus, nous te bénissons. Alléluia, soyez accablé, béni. Alléluia, soyez accablé, béni. Hallelujah.
n'ai pas salué tout le monde, je veux le faire pendant que nous allons glorifier l'Éternel et Dieu que nous chantons. Nous pouvons prendre nos places. Amen, amen. Nous disciplinons chacun, nous prenons les enfants, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est l'opportunité que le Seigneur nous a donnée en cette année 2015. Nous voulons écouter le message de l'Éternel, notre Dieu. Je disais tantôt que le pensée des hommes, la volonté de l'homme que je suis, ne concordait pas avec la pensée de Dieu. Mais l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, qui nous éclaire au travers du Saint-Esprit, nous rassure et nous dit ce qu'il veut nous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que l'année passe, les années passent, nous grandissons et ceux qui étaient avec nous, on est nés ensemble. Il y a de ceux qui vivent, il y a de ceux qui ne vivent pas. Nous ne sommes pas très importants que eux aux yeux de l'Éternel, mais Dieu a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver en cette année 2015 et que 2014 soit derrière nous. Mais une chose, bien aimé, je veux vous conseiller, il faudrait à chacun de nous de savoir provoquer des saisons dans sa vie. Amen, amen. Si la terre tourne et que quand il va arriver à l'endroit où le soleil se trouve, bien aimé, il provoque des saisons. De la même manière, bien-aimé, tu as servi Dieu pendant l'année 2014. Je ne sais pas à quel moment et comment est-ce que tu as provoqué des saisons dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse regarder et dire, oui, là je vais agir, là je vais faire quelque chose. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Mais cette année 2014, bien-aimé, avant de nous donner le thème et le verset que nous allons partager tout au long de cette année. Bien aimé, l'année passée, nous avons dit, ne négligez pas l'œuvre de Dieu, ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence, parce qu'il y aura des conséquences. Mais cette année, il y a une autre chose que Dieu nous dit. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il nous donne un message que nous allons marcher avec cette année. L'Éternel, Dieu nous donne comme message cette année, Dieu sait ce qu'il fait. Amen, amen. Je me posais des questions. Je me disais, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé en cette année? Qu'est-ce qui est arrivé au peuple de Dieu? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi le peuple pleure? Pourquoi nous ne voyons pas ceci? Pourquoi nous ne pouvons pas atteindre ceci? Et le message de Dieu que je récite, Dieu sait ce qu'il fait. Amen, amen. De même dans ta vie, bien-aimé, il y aura des moments qui seront difficiles. Il y aura des choses qui seront difficiles, qui vont te poser des questions. Mais la réponse t'est déjà donnée. Nzambe ayebi oyo azosala. Donc ce n'est pas à toi de te poser des questions, ni de chercher des réponses. Même si moi j'ai dit, mais tu ne vois pas que tu es ceci, tu es cela. Mais tu vas me répondre tout simplement, Dieu sait ce qu'il fait. Parce que dans nos vies, bien-aimés, il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi je disais, quand j'ai eu ce thème, et quand nous allons lire le verset, que le verset se trouve, le premier verset se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Vous allez voir avec moi qu'il n'était pas difficile ni facile, mais il fallait écouter et respecter et ne rien dire. Parce que dans ma tête, je pouvais donner d'autres thèmes. Et dans votre tête, dans votre réflexion, vous pouvez donner un autre thème. Luc 6, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Amen, amen, amen. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Bien aimé, ce verset a été évoqué en ce lieu par le frère André et le frère Paul pendant notre dernier temps de prière et de différentes manières ici en ce lieu. C'est ce qui a confirmé notre message pendant tout au long de cette année. Et en lisant bien aimé ce verset, il y a encore un autre verset dans Matthieu que j'ai reçu. Je me suis dit, Dieu sait ce qu'il fait. Avec ce verset, pourquoi je ne change pas de thème pour dire que aimez vos ennemis? Ça pourrait être un bon thème. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, c'est aussi un autre thème. Mais Dieu nous a amenés à dire, je sais ce que j'ai fait. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième texte se trouve dans, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5, nous allons lire après, nous allons partager quelques minutes. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, amen. Amen. C'est ce que je disais. Je n'avais rien compris de ces deux versets et du thème que le Seigneur nous a donné. Mais Dieu, il est merveilleux. Quand Dieu parle, quand il décide de parler, bien-aimé, personne ne peut contredire la volonté de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Bien-aimé, qui n'aime pas être populaire au milieu de nous? Qui n'aime pas être populaire? Nana ligarate ba lobelaye. Amen, amen. Ce sont des questions qui m'est venues pendant que je recevais ce message. Qui n'aime pas être populaire aujourd'hui, au milieu de nous? Tout le monde veut être populaire, tout le monde veut être connu. L'impopularité n'intéresse personne dans le monde d'aujourd'hui. Chacun de nous veut qu'on parle de lui. Chacun de nous veut faire quelque chose pour qu'on sache qu'il existe. Chacun de nous veut dire quelque chose pour que les gens sachent qu'il est là. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la popularité a un prix à payer. Amen, amen. Amen. Si tu veux être populaire, si tu veux être connu, si tu veux que les gens parlent de toi, si tu veux que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on sache que tu existes, qu'on sache que tu es là, sache très bien qu'il y a un prix à payer parce que tu es orgueilleux. La popularité appelle l'orgueil. Or, tout orgueilleux a un prix à payer. Si tu veux être connu, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu vas payer le prix de ce que tu veux. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, on a parlé aussi des faux prophètes. On les a exaucés, on les a soulevés, on a parlé d'eux, on les a élevés. Mais c'était des gens qui ne parlaient pas vrai. Ils disaient des choses qui n'étaient pas vraies, mais on a parlé d'eux. J'étais en Allemagne, bien aimé dans le Seigneur, je ne regarde pas l'internet pour regarder si c'est quoi que ce soit. Je n'ai pas ce temps-là. Je le dis toujours, je vous conseille d'ailleurs de ne pas regarder. Faites comme moi. Mais j'étais en Allemagne, j'ai suivi, il y a quelqu'un, on m'a dit, mais pourquoi tu ne regardes pas? J'ai vu un homme de Dieu, il m'a dit, papa, tu seras en retard
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'internet. Comment est-ce que tu vas enseigner le peuple de Dieu si tu ne connais pas le monde dans les comment ça fonctionne? J'ai dit, ok, ça va, je vais regarder. Qu'est-ce que je voyais? Un prophète qui parle de leur machination. Comment est-ce qu'ils mettent des chlorures rouges dans les yeux pour que le prophète puisse prophétiser, et on va appeler l'enfant qui passe avec les yeux dans la rue. Il vient, il dit, appelle-moi l'enfant qui est avec les yeux. Quand il vient avec les yeux, il prend les yeux qu'ils ont mis des produits rouges dedans. Après, il casse. Ils disent que c'est le sang. Le problème est à tel, le problème est à tel. J'ai oublié le nom de ce prophète. J'ai oublié son nom. Là, qui ça? Denis Lès. Denis Lès, il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai dit ceci, je suis désolé. Mais tout ceci, vous êtes en train de faire la publicité des faux prophètes. C'est ce que la Bible nous dit dans les textes de Luc. Les faux prophètes, on a parlé d'eux aussi longuement. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi cette année Dieu dit, il sait ce qu'il est en train de faire. Si toi tu ne veux pas comprendre que Dieu sait ce qu'il est en train de faire, tu vas chercher ce que tu es en train d'écouter. On a parlé de telle personne, il est grand. Alors comme moi, je ne vois pas ceci clair, je vais chercher tel prophète. Pourquoi? Parce qu'on a parlé. La Bible nous dit bien dans le texte de Luc 6, 26, c'est-à-dire que si tu cherches de te faire connaître, sache bien, les faux prophètes, on a parlé d'eux aussi. Les gens aussi les connaissaient, mais ils étaient des faux. Amen, amen. Donc ce n'est pas le fait qu'on crie, qu'on parle de toi que tu es vrai. Amen, amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ton problème cette année, bien-aimé, c'est de t'attacher à Dieu et à la parole de Dieu. Parce que ce qui t'arrive, tu ne trouveras pas la solution chez un homme. Tu ne trouveras pas la solution chez ton pasteur, ni chez le prophète, mais tu trouveras la solution auprès de Dieu. Et dans le même internet, on dit que le prophète dit, je veux faire ma confession. Il veut faire sa confession. Celui qu'on a parlé de lui, celui qu'on a élevé, les gens ont payé de l'argent au téléphone, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, il veut faire la confession. Bien aimé, toutes ces prophéties qu'il a données sont parties où? Vous qui avez entendu ces prophéties, vous qui mettez tout le temps, tu viens du travail cassé, tu prends encore YouTube, tu mets, je vais écouter. Lui-même, il appelle ça le Ndondo. C'est la première fois que j'ai écouté ça. Je ne regarde pas. Mais j'ai dit, je vais regarder. Bien aimé dans le Seigneur, vous imaginez que vous avez mis foi à une prophétie et après une année ou deux ans, le prophète vient se repentir. C'est très dangereux. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ne payez pas le prix, bien aimé, de ce que vous n'avez pas fait. Amen, amen. La bénédiction, ce n'est pas une question de fidélité. Tu peux amener ta dîme ici du 1er au 30, tu ne seras pas béni. Vous savez pourquoi? Si dans ta tête, tu penses que c'est ta dîme qui va te bénir, tu ne seras pas béni. Amen, amen. Dieu sait ce qu'il est en train. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, de la parole que tu as écoutée, que tu es en train de mettre en pratique, c'est cette grâce qui va faire que ta vie puisse être une bénédiction pour toi. Est-ce que vous m'avez compris? Ce n'est pas le fait d'amener l'argent, ce n'est pas le fait d'acheter, je ne sais pas, les synthés, les chaises, ou de donner des offrandes des grandes, qui va faire que Dieu soit fidèle. Non, c'est la grâce. Nous sommes bénis par grâce. Nous ne méritons pas la bénédiction.
Parce que si c'est par rapport à ce que tu es en train de donner, c'est-à-dire que tu mérites d'être béni par rapport à ce que tu es en train de faire à Dieu. Or, qu'est-ce que toi tu peux faire à Dieu et il n'a pas? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc nous vivons par grâce, la miséricorde, bien aimé, nous méritons. Mais la grâce, nous ne la méritons pas. Voilà pourquoi, bien aimé, cette année, tu ne mérites absolument rien. Et bien que la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors, ne te lamente pas, ne te pose pas de questions. Mais ce qu'il te faut cette année, mets-toi conforme à la parole. Bien-aimé, chaque matin, tu vas au travail. Qui ne va pas au travail ici? Chaque matin, tu vas au travail, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque matin, tu te réveilles, tu vas à ton travail. Ceux qui sont au chômage, ils vont pointer pour avoir de l'argent. Chaque matin, même en hiver, nos enfants, 6, 7 ans, ils connaissent courir pour aller à l'école. Même les petits enfants, ils connaissent la crèche. Ils sont habitués. On fait la même chose du premier. Mais je vais te poser la question. Est-ce que tu fais la même chose à l'église? Est-ce que tu fais la même chose toi à la maison pour prier? Qui prie chaque jour? Personne. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des moments où tu pries seulement pour dire à Dieu que Seigneur, malgré que je n'ai rien fait, mais au moins tu as vu que je suis resté au moins à jeûner pendant quelques minutes. Ce n'est pas prier. Amen, amen. Tu es en train de tromper qui? Tu te trompes toi-même. Voilà pourquoi il y a des jours que nous ne prions pas. Mais nous montrons à Dieu que Seigneur, au moins j'ai la volonté. Non, ça ne suffit pas. Il faut prier. Tu te réveilles à 5 heures pour aller au travail. Avec la force que Dieu te donne. Tu te réveilles à 4 heures du matin pour préparer. Avant de partir, tu prépares pour que les enfants mangent parce que je veux venir en retard. Bien-aimé, vous prenez soin de vous-même avec la force que Dieu vous donne. Mais vous ne savez pas mettre de l'ordre dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi cette année, Dieu nous dit, il sait ce qu'il fait, ce qui t'arrive. Ce qui arrive à chacun de nous, ce qui arrive à l'église, ce qui arrive dans nos familles, Dieu sait ce qu'il est en train. Mais si nous voulons changer le cours des données, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre les choses de Dieu en place et en pratique dans notre vie. Nous devons changer cette année. Cette année, Dieu veut faire ce qu'il a résolu de faire. Ce que Dieu a résolu de faire, il va le faire. La terre tourne. Personne ne dit à la terre de tourner. Personne ne dit à la terre, maintenant c'est le temps de rencontrer le soleil. Mais la terre, quand il tourne, il arrive à rencontrer le soleil. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les habitudes. Si vous êtes dans les habitudes de ce monde, conformez-vous aussi aux habitudes de Dieu. Lire la parole de Dieu, prier, venir à l'église, je ne sais pas, donner des actions de grâce, des offrandes, des dîmes, tout ce qui est de la parole de Dieu. Nous allons dire, écoutez bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas être trop long, le message est clair, la Bible nous dit, si nous prenons notre texte de Matthieu 5, je vais tout simplement m'appuyer sur ce verset de Matthieu 5 et de Luc 6. Je vais vous laisser lire à la maison. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé de la persécution. La Bible dit, « Errez lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous, de toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé de ces choses. Nous avons dit, bien aimé, les épines et les pierres, on fait quoi? On les enlève. Les oiseaux, on fait quoi? On les chasse.
vous voulez être élevé, sache qu'il y a un prix à payer. Laissez le Seigneur, qui sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie, conduire ta vie. Si Dieu décide de faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vois pas qui peut empêcher le Seigneur de le faire. Si Dieu décide que quelque chose arrive, comme la Bible dit, je ne vois pas qui peut empêcher que cela arrive. Mais permettez-moi, avant de terminer, de nous poser encore une question. Qui savait qu'aujourd'hui il serait là? Amen, amen. Tu peux bien expliquer ton passé. Tu expliqueras ton passé à tout le monde. Mais, le aujourd'hui, bien-aimé, tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Amen, amen. Qui peut me dire ce qu'il arrivera à 2h du matin? Ton demain, tu ne peux pas l'expliquer. Mais or, nous sommes les hommes et les femmes hein, de foi. Moi, je peux dire à mon aujourd'hui comment ça sera et mon lendemain comment ça sera. Amen, amen. Parce que j'ai la foi à qui? J'ai dit, oui, si Dieu permet, demain je ferai ça. Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Ma foi. Par rapport à qui? Donc, Dieu sait ce qu'il est en train hein? Si je me retrouve dans une position qui ne me permet pas d'avoir quelque chose pour demain, je ne veux pas me lamenter. Amen, amen. Mais je nous dis, dans ce que nous venons de lire, nos problèmes ne seront pas nous. Nos problèmes ne viendront pas de nous. Nos problèmes viendront d'ailleurs, d'une autre personne. Donc, c'est à nous maintenant d'appliquer cette parole. Bien-aimé, à Salinga Boyenga Pena Rosaleboy, à Laksinga Boyenga Pena Rolakisaye, dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Tu es païen. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons. Peut-être nous donner un conseil pour dire que là où il y a des faux, il y a aussi. Là où il y a des vrais, il y a aussi. Mais comment tu sauras que celui-ci est vrai, celui-ci? C'est cette parole. Amen, amen. La manière dont tu vas agir cette année, nous saurons si tu es vrai ou tu es. Si moi je te tape ou je parle du mal de toi, Yo Salanini, Dieu sait ce qu'il est en train. Hein? C'est Dieu qui a permis cette bouche de s'ouvrir et d'aider. Il sait pourquoi. Qui dira que quelque chose, hein, sans que l'Éternel ne l'ait, si tu comprends la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas vivre mieux. Ce n'est pas parce qu'il a acheté une nouvelle voiture que toi tu dois en acheter une autre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait ce qu'il est en train, hein, avec lui. Et avec toi, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ne cherchez pas à être l'autre, mais cherche à te conformer avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, mettez de l'ordre. Priez, lisez la parole de Dieu, faites du bien là où vous pouvez. Cherchez les gens, conseillez les gens, faites du bien à vos femmes, à vos enfants. Faites du bien à vos familles. Ne rejetez personne. Là où tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu ne peux pas, gloire au Seigneur. Mais n'oubliez pas une chose. De la même manière que tu es en train de vivre dans le matériel, cherche aussi à te conformer de la même manière, hein, spirituellement.
Nous avons prière ici mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Venez aussi à la prière. Amen, amen. C'est la même chose. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Gloire au Seigneur. J'espère pour moi et pour toi que cette année, bien-aimé dans le Seigneur, Luc 6, allez lire ça calmement, tranquillement chez vous à la maison, et Matthieu chapitre 5 à partir du verset 10. Vous allez comprendre tout ce que Dieu nous demande, la manière de vivre cette année. Dieu a des bons projets, bien-aimés. C'est-à-dire que tous ceux qui nous feront du mal, ce sont des obstacles qui cherchent à nous mettre à côté de la volonté de Dieu et de la bénédiction que Dieu nous donne. Donc, pour que nous puissions les avoir, nous devons rester tranquilles et conformes à la parole de Dieu. Ne rendez pas le mal par, mais rendez le mal par. C'est ce que l'Éternel nous demande cette année. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tous les regards qui n'étaient pas bons, tu vas laisser ça l'année passée. Les paroles qui vexaient les gens, tu vas laisser ça l'année passée. Le mensonge, tu vas laisser ça l'année passée. Tous les mal et bien qui sortaient de ta bouche, tu vas laisser ça l'année passée. Dis le Seigneur que cette année tu sois un homme honnête, un homme vrai, un vrai chrétien. Dans ton comportement, que les gens voient que tu pries le Seigneur. Dans tes habitudes, qu'on dise que tu es un enfant de Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche, que le Saint-Esprit mette des mots justes. Je veux voir ta gloire. Je veux saisir ce que je n'ai pas encore arrivé à saisir. Je veux recevoir ce que je n'arrive pas à recevoir. Oui, bien-aimé, tu vas prophétiser maintenant. Seigneur, je veux voir ta gloire dans telles choses. Je veux vivre ta main dans telle situation. Prophétise maintenant, bien-aimé, pour ta vie. Cette année, bien-aimé, prophétise cette année pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur pour ce moment béni où tu nous as fait encore grâce. Éternel, nous prions pour ces offrandes. Que ton amour immense, que ta bonté majestueuse, Seigneur, accueille ces offrandes avec amour. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de la main qui s'est plongée et celle-là qui n'était pas plongée. Dieu des cieux, pourvois, car tu es Seigneur. Père, de la même façon que tu as parlé, rien ne peut s'accomplir si ce n'est ta volonté. Et ta volonté que nous puissions, Seigneur, prospérer à tous égards. Laisse que ton nom soit encore loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons voir mon bouquet à moi, ok? Donc, avec le baïté, on va se faire que l'air est mort de Kitanassé, tous les sous-mois et l'homme, on va te parler de sa sous-mois force, pas de raison à ce soir. On va faire la chanson individuelle pour mon ami déjà. We zijn hier vandaag omdat we vieren ons nieuwjaar in onze kerk. We zijn heel blij om hier te zijn, omdat we leren meer en dat helpt ons voor naar voren te gaan. En God is heel belangrijk voor ons, daarom zijn we hier vandaag. Oké, ben je zelf van Antwerpen of ben je van ergens gekomen? Nee, ik kom eigenlijk van Oost-Vlaanderen. Ik ben van Dendermonde. Dendermonde? Ja. Van Dendermonde tot naar Antwerpen? Ja, ik kom. Is dat niet te ver? Ja, dat is eigenlijk te ver, maar wij doen dat voor ons God. Papa, Ndeko, Mubali, Mbote Mingi. Mbote, papa. Bonne année, et pas inayo, nego telemi. Merci, Yopé Lokola. Merci. Bisoto Zali, Basali à télévision TV Congo in Vlaandre, à Wanakati à Anvers. Alors, tu y es pas nabino na Ndakwanzambe, ou tu es au Esengo, awa, pe bo fete, bonne année, awa. Yo moni bono, pe tabiso kombo na yo, pe bo yabiso, maye, o moni awa nakati glisso. Malo bai panayo. Merci papa, pour le moment, je suis en train de me faire un peu de temps. Timba, je suis en Brasserat. Alors, je suis en train de me de la vérité. Alors, pour le moment, je suis en train de me faire un peu de temps. Pour le moment, je suis en train de me faire un peu de temps. Pour le moment, yangwana to sangani awa pona opesa lokumu epai na Nzambe pona mukolo ali boso ya ane ya sika 2015 papa baninga bakio mela ba masanga bazoko bina kuna ambiance yo ye awa vraiment difference ni nozali yo na bango en tout cas pona kotala boye difference moko ezayete parce que ndenge bango bazali na nzoto ndenga pena zali nga pena zape elenge neti bango ou bien mukolo neti bango mais ezali ke non passion au long de Zana Yango par rapport ya na Nzambe Yangwana et Tindi Keno Ngai Naya Awa Pona Oleksa Boutou Oyo et Longona Yesu Pona Yebi Yesuana Yene Moutou Asimbi Bomo Inangai. En tout cas, papa, au Pessim So et Sengomini parce que Bate Bele, Bandekono et Bele, les lois ambiance à danger, mais yo ye Awa Pona Koumis en Kolo Pona Nenga Koumisio Tinamboula. Oyasika, Sengomini, Peto Tondi Botondi, le docteur Mikolo Mikoya. Merci papa. Merci papa. En tout cas, télévision Abino Nzambe à Pamboyango.
ekende liboso nzambe lisu ya nzambe eza likolo na bino pe 4 na misala na bino na ane oya sika ete nzambe apesa bino susu makoki mpona ekende liboso na kombo na Yesu Masiya. Merci papa, merci, merci. Tozali awa mpona kofete réveillon. Normalement nzambe abateli biso akomisi biso susu na ane ya sika yango wana tozali awa tofete année 2014 et 2015. Merci maman parce que c'est moni qui a ambiance c'est là qui m'a cassé awa. Bon yo moni boni c'est au conseiller bande comme sous baya awa na église na bino yo. Ou bien quoi ça bamba vanda na bandao. Na conseiller bande ko baya na église na biso parce que tozali église colonne de vérité. Ezali esika oyo tozo te ya liloba na nzambe tozo témoigner Yesu lokola nkolo pe mobikisi na biso. Na conseiller bandeko baya to sangana po to kumbisa kombo na nzambe. Merci mama otondi botondi et pe mugula sika na kata libota na yo. Merci. Bon, vous êtes lost oyemba la moko na église ya docteur Leon. Est-ce que oyeba ki église avant? Naeba ki avant parce que lek na nga sambela ka na souvent awa. Merci maman, totonde botondi pe to ebisi yo mbalasima to kutana yo pona télévision congolaise wana kanta Flandre. Merci maman. Merci na binope. In de kerk van de zuil van de waarheid ben ik al hier, het is bijna 9 jaar. 9 jaar aan? Ja. En ik ken al God sinds mijn, laten we zeggen, mijn 16 jaar. Ja, ik heb. Wat ik altijd doe, dat is als ik iemand leer kennen, het is altijd met de persoon over God te spreken. En hetgeen dat ik zal die persoon vertellen, het is hetgeen die hem gaat de moed geven om naar God te geven. Dus ik heb bepaalde mensen ook in God gebracht. En tot hiertoe zijn ze nog altijd met ons. En tot hiertoe zijn ze nog altijd God aan te bedienen. En voor onze kerk, omdat wij zijn gelovig en dat is heel belangrijk voor ons. Daarom komen wij tot naar hier. Anders als wij dat niet, als wij niet gelovig was, wij kunnen ook niet tot naar hier komen. Dus wij zijn echt heel gelovig en wij zijn heel blij omdat wij zijn in deze kerk gekomen. Omdat wij hebben meer geleerd en wij zijn heel blij van ons pastoor. En die doet heel veel voor ons en die helpt ons veel en wij leren ook meer. Daarom, wij komen altijd naar de kerk voor meer te leren en ons geloven naar God. Dus God die helpt ons veel. Dus. Ja, maar er zijn mensen van uw leeftijd die nu in de café, in de discotheek zijn. Waarom jij, alleen jij en een paar mensen naar de kerk gekomen? Ja, eerlijk. In deze moment dat is eerlijk moeilijk voor jonge mensen als wij. Veel die horen ja, van alles bij vriendinnen, overal op school, op werk. Maar ik ben eerlijk, ik kom van de familie dat gelovig zijn. En daarom ik ben ook zo gegroeid, daarom ben ik ook in de kerk gelovig gekomen. Anders als dat was niet zo, ik ging ook zelf zijn als de andere meisje. Maar eerlijk, naar de café te gaan of gaan, ik weet niet, van alles te doen, dat brengt niks. Ja. Maar als je echt gelovig bent, je kan je goed voelen. Maar als je niet gelovig bent, je kan je niet zo. Zo, dat betekent ja. Jij voelt zo goed in de kerk dan in de café? Ja, ik voel mij heel, heel, heel goed in de kerk dan in de café. Omdat eerlijk, ik ben niet iemand dat altijd. Vroeger misschien, ik heb geprobeerd, maar dat lukt ook niet. Maar nu, ik voel mij heel beter hier. Omdat ik ben gelovig. Ik ben nog jong, maar ja. We zeggen altijd, als je jong bent, je moet profiteren, maar die profiteren, dat brengt niks. Dat brengt alleen problemen. Daarom komen wij, ik wil graag altijd in de kerk komen, omdat ik voel me beter. Ik kan mijn probleem oplossen in de kerk, niet in de café. Daarom zijn ik hier. Merci Seigneur.